Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 9, 9 mars. J'ai l'ordinateur qui est allumé, j'aurais pu regarder dessus. Je vous ai pas repris, je voulais vous prendre, mais les jours passent trop vite. Après, dans la vidéo précédente, je vous faisais une presque journée type, alors que j'avais pas beaucoup de travail en fait. Et ben là c'est revenu, hein. À part aujourd'hui où j'ai fini à 13h30 je crois, 13h ou 13h30, sans quoi j'ai fini à 14h30 vendredi, lundi. La fille qui s'embrouille complètement dans les dates. Petit point lecture, donc dans mon livre Joker, vous savez, je suis toujours... Alors mon livre Joker, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne... C'est un livre que je fais durer parce que quand j'ai la chance d'arriver 5-10 minutes avant au travail, ou si j'ai eu le temps de lire pendant ma pause d'une demi-heure, ben je grignote toujours quelques pages. Il est en numérique. Je vous mettrai la photo en bas. C'est un sorcier noir et éternel. J'aime beaucoup. J'en suis arrivée à la moitié. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réécriture du conte de La Belle et la Bête en version un peu plus gore. Franchement, j'aime beaucoup l'héroïne. Elle me fait. C'est une de celles, dans la réécriture, c'est une de celles que j'apprécie le plus, qui est vraiment une héroïne attachante et qui a pas la langue dans sa poche et qui se laisse pas compter fleurette bêtement, qui se dit pas ouais, chouette, c'est un prince, voilà. Donc, la bête est. Je peux pas tout vous dire parce que je voudrais pas spoiler, mais c'est pas non plus une bête telle qu'on la connaît. Vous savez, jusqu'à présent, que ce soit le conte de Disney ou que ce soit le conte d'origine, la bête est un animal et la princesse fait la connaissance de l'animal et tombe amoureux de l'animal. Là, il n'a rien d'un animal, sauf à certaines périodes, mais en plus, au moment où il est en animal, il devient vraiment dangereux. C'est un animal, et quand il se transforme pour de vrai, il reconnaît pas sa famille, il reconnaît rien, et il massacre, quoi, puisque c'est une version gore, il massacre, il faut dire ce qui est. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai pas eu trop de passages. Bon, c'est pas. Moi qui suis habituée à lire des thrillers, j'ai pas trouvé des passages très. Très. Pour l'instant, entre guillemets, trop gênants à lire. Je suis en train de me prendre une petite tisane. Alors, j'ai découvert la marque Pagès et j'en suis très fan. Pourtant, c'est une marque de grande surface. Et là, c'est une. D'ailleurs, ils disent thé et infusion. Ah oui, thé et infusion. Mais c'est pour bien dormir, justement. Et ensuite, en lecture audio, je suis toujours avec les piliers. Enfin, je suis toujours avec les piliers de la Terre. Disons que à la fin de la vidéo précédente, je vous disais que j'allais commencer les piliers de la Terre en vidéo. C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas en papier, donc je ne peux pas vous le montrer. Je regrette pas du tout, du tout, du tout mon choix. Puisque je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai essayé à l'époque, il y a facilement 6-7 ans de ça, de le lire, et j'avais dû atteindre le chapitre 2 ou 3, guère plus, et j'avais pas accroché du tout, en fait. Les chapitres étaient longs, ça avance pas beaucoup, enfin, comment vous dire Oui, il n'y a pas beaucoup de rebondissements réels, c'est assez contemplatif. Par contre, maintenant que j'ai fait l'effort, ah oui, ça c'est à chaque fois que je bois, je le cache avec la. J'aime beaucoup. Là, je dois en être au chapitre 15, je crois. J'aime beaucoup. Comment vous expliquer? La façon dont Ken Follett. J'avais envie de dire, fait tournoyer ces personnages, mais c'est un peu ça. Comment ils imbriquent les uns dans les autres, je peux pas vraiment vous dire la trame, parce que la trame de l'histoire, c'est vraiment, on part d'un bateau, d'un fait historique,
Un bateau où il y avait toute une partie de descendants de rois et de nobles qui a coulé. Et puis après, on vous montre le. Enfin, il nous explique une pendaison. Et si vous voulez, tout va se regrouper, tout. Après, c'est pareil, on a un maçon qui cherche du travail, enfin, son entreprise qu'il était en train de faire, enfin, le chantier qu'il était en train de faire va être annulé et de sa réaction va découler toutes sortes de conséquences. J'étais en train de chercher, je cherche mes mots ce soir. Et donc, ouais, c'est. Et tout va se relier, le naufrage, la pendaison, le maçon, et ainsi de suite. Et j'adore, mais franchement, j'aurais pas eu la patience de le lire. Franchement, j'aurais pas eu la patience de le lire. Les chapitres sont trop longs, j'aurais pas été stimulée pour le lire. Par contre, je regrette pas parce que j'ai failli ne pas l'écouter et prendre un joker à la place, puisque dans le Baby Challenge, puisque j'ai lu Ken Follett, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, pour le Baby Challenge historique organisé par Livre Addict, il y a 20 livres en tout, et il y en a 5 qu'on peut piocher si on en a lu déjà pas mal, et puis ou s'il y en a un qui ne nous intéresse pas et qu'on a envie de le switcher. Honnêtement, j'ai failli le faire, me rappelant de ma première expérience qui n'était pas terrible, et finalement, je regrette pas parce que c'est quand même hyper prenant. Moi, je l'écoute en allant au travail et en revenant du travail, mais surtout en y allant parce que, en fait, j'ai un problème avec le Bluetooth de ma voiture. Du coup, il me mange les mots et je l'écoute dans les écouteurs, alors que je sais qu'on n'a pas le droit, hein. Et quand on conduit, d'avoir les écouteurs, et du coup, ben, je l'enlève pour revenir. Mais souvent, je le pose sur le siège ou alors bah, je rentre en écoutant la radio plutôt que l'audio. J'ai à peu près 15 minutes de route, donc bon, ça fait pas grand-chose. Et par contre, je l'écoute en allant sortir de Jersey. Donc j'en suis arrivée. Il doit me rester à peu près 10 heures. Et il faisait plus de 18, il faut savoir qu'il faisait plus de 18 heures d'écoute. Alors c'est pareil, je sais qu'on peut, si vous avez Audible, vous savez, on peut augmenter la vitesse de lecture. Je ne le fais pas pour deux raisons. J'avais déjà essayé parce que j'avais fait l'expérience pour voir si je lisais. Moi, je suis une lectrice lente. En tant que dyslexique, je suis une lectrice lente. Du coup, j'avais fait le test pour voir s'il lisait à mon niveau ou si je lisais un peu plus vite. Je lis légèrement plus vite. J'aurais pu augmenter d'un. Mais je le fais pas parce que, à l'inverse, si je l'augmente, j'accroche pas. Mon cerveau se refuse d'écouter, enfin de. Oui, d'écouter, d'enregistrer ce que la personne lit. Si je le lis en vitesse normale, avec la ponctuation, tout, les silences et tout, j'ai tendance à être beaucoup plus attentive, surtout si je conduis ou si je sors de Jersey. Sinon, si je suis pas sur une activité qui me demande de la concentration, si par exemple c'est le ménage, je vais rien écouter, c'est pas la peine. Je vais rien retenir. Voilà. Donc, du coup, j'augmente pas et ça me faisait un peu plus de 18 heures d'écoute et j'ai dû lire pas loin de 8 heures déjà. Donc il me reste à peu près 10 heures encore à écouter. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si je continuerai parce que je suis sur le tome 1, mais je ne sais pas si je continuerai la saga. Peut-être que je la continuerai s'il est toujours présent dans le prochain Baby Challenge de l'année prochaine. Mais pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas si je continuerai ou pas. C'est intéressant, mais j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup comment c'est imbriqué, mais j'ai pas ce petit truc, vous savez, qui accrocheur, même si au boulot j'y pense souvent, je me remémore
le passage que j'ai entendu avant et je me dis, ouais, je voudrais bien savoir la suite. Voilà, c'est mon premier ressenti, je dirais, de Ken Follett. Ensuite, j'ai pas mal avancé dans. Alors, celui-là, je le lis en papier. J'ai pas mal avancé dans Huit crimes parfaits de Peter Swenson. Hier, j'étais un peu déçue parce que j'avais vu arriver quelque chose qui, bah, effectivement, s'est produit. Alors, après, j'ai d'autres théories. J'espère qu'elles sont pas toutes justes parce que si j'ai tout trouvé avant la page 156, puisque j'en suis à la page au chapitre 15 et à la page 156 sur 330, donc bon, ça me fait une bonne moyenne. J'aime beaucoup, c'est prenant. Alors, c'est le FBI qui débarque un jour dans une librairie tenue. En fait, comment il s'appelle? Je ne sais même pas si on sait son nom. Ah oui, Malcolm. Qui débarque dans une librairie spécialisée de livres policiers. Et l'enquêtrice a remarqué que quelqu'un se servait d'un article que le libraire avait écrit il y a très longtemps sur huit crimes parfaits et qui serait en train de reproduire les fameux huit crimes. Et donc, elle va lui demander son aide. En même temps, elle se demande si lui, il n'est pas à l'origine des crimes. Moi, j'avais vu quelque chose arriver et c'est arrivé, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. C'est très prenant, j'ai du mal à le lâcher. Pourtant, il est écrit petit, mais il est assez aéré, donc c'est vrai que du coup, j'avance pas mal dedans. Et puis c'est à voir quoi. Je peux pas dans une enquête policière, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que il y a toujours ce risque de spoiler. Et j'aime bien ouais, les éléments arrivent petit à petit. Vous savez comme si on déroulait un fil, qu'on tiendrait un fil et qu'on le déroulerait. Et ben là, ça fait tout à fait ça. C'est vraiment bon. Disons que c'était une intuition ce que j'ai vu venir et mon intuition était bonne. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus flagrant à la première lecture. Voilà, donc pour moi c'est des. Pour aujourd'hui, ça va être mes petits retours, je dirais, sur ce début de lecture, que ce soit Les Piliers de la Terre ou Huit crimes parfaits. Je vais vous reprendre. Je ne sais pas si j'aurai assez avancé demain parce que bah, vous savez, je me couche tôt parce que le matin, je me lève entre 2h, 2h30 et 3h. C'est rare quand même, avant 2h30, c'est quand même rare. Du coup, on a des grosses commandes au travail pour la fin de la semaine. Donc demain, mais surtout vendredi. Normalement, j'aurais même dû travailler samedi, ça m'arrangeait pas parce que samedi, j'ai prévu un week-end à Noirmoutier pour l'anniversaire de mon fils. Et du coup, ouais, ça m'embêtait un peu de devoir travailler samedi. Donc là, c'est pareil, je sais que je n'aurai pas le temps de vous prendre beaucoup en vidéo. Demain, j'aurais pas lu assez. Bah, peut-être que, de toute façon, je vous ferai pas part des rendez-vous en famille, mais au moins des séances sur Noirmoutier et tout ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, avec mon meilleur ami, on a envie de faire un blog pour parler de la Vendée, les bons coins, les choses comme ça. Et puis, ben, je sais pas si ça peut intéresser aussi, si. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, vous personnellement, que j'en parle aussi ici, de plus détaillé ou justement ce que vous pensez de cette idée de blog vendéen, entre guillemets, et en mettant les bonnes adresses, parce que c'est vrai qu'on sort souvent au restaurant, on aime bien découvrir comme ça, et puis on trouvait que c'était sympa d'en faire profiter les autres. Voilà, ça c'est une petite aparté. Et sinon, est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire? Oui. Pas de réception cette semaine. Donc, je ne sais
pas eu le temps de sortir non plus en librairie. J'ai eu une alerte à Bumanga, mais comme d'habitude, ils étaient perdus dans mes tomes de Après la pluie. Donc voilà. Bon, non, j'ai fait le tour. Tout le monde dort. Eh ben, je vais finir ma tisane, continuer ma lecture encore une petite demi-heure parce que je vois qu'il est déjà 19h19. Et puis, ben, je vous dis à bientôt, un peu plus tard dans ce vlog. À tout de suite pour vous. Clôturer ce vlog, j'ai pas eu le temps hier, j'ai même pas eu le temps de vlogger beaucoup et de vous parler de mes lectures. Vous le saviez, je vous l'avais dit un peu avant dans la vidéo. Donc pour moi, la semaine dernière, j'ai eu une semaine chargée la semaine dernière qui va être sensiblement la même cette semaine. La seule différence, c'est que comme on a beaucoup de travail, on a fait deux équipes et du coup, je finis à midi et demi sûr. Puisque la deuxième équipe arrive jusqu'à 22h, arrive à 12h30 jusqu'à 22h. Donc du coup, ça nous soulage un peu parce qu'on avait de grosses, grosses commandes. Ensuite, petit point lecture. Dans Un sorcier noir et éternel, j'en suis un peu plus de la moitié. Je ne saurais pas vous dire combien. Parce que ma liseuse, c'est bizarre, ne me donne alors pas le même nombre de pages qu'elle devrait donner normalement. En plus, elle ne me donne pas le pourcentage, donc c'est pas évident et j'ai pas fait les calculs pour savoir exactement à combien j'en étais. Des fois, je le fais pour le mettre à jour sur Livradic, mais c'est sûr, j'ai dépassé plus de la moitié. Sur 8 crimes presque parfaits de Peter Swanson, j'en suis à la page 238, 238 sur 331, donc il me reste une petite centaine de pages à lire. Il sera pas fini ce soir, je pensais le finir, mais il est déjà 16h20, j'ai pas encore sorti de Jersey sur sa longue promenade, donc il sera pas fini ce soir, peut-être demain. J'aime toujours autant, hein, j'aime toujours autant, donc j'ai vu quand même venir quelque chose assez rapidement et qui m'a pas surpris, et j'ai l'impression que j'ai déjà la fin. Et si tel est le cas, je vais être un peu déçue, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut dire que, à force de lire des thrillers, des policiers, j'aime bien tirer sur toutes les petites ficelles possibles et imaginables, et c'est rare d'être surpris. Mais en attendant, il est super bien tourné, il est addictif et vraiment plaisant. Bon, de temps en temps, le personnage principal m'agace un peu, mais bon, ils ne peuvent pas être parfaits à chaque fois.
Sur ma lecture audio, j'écoute à l'heure actuelle Les Piliers de la Terre, le tome 1. Alors, j'adore la façon dont l'auteur a fait interagir. Je vous le dirai pas celui-là. Fait intervenir ces personnages les uns avec les autres. Ça, j'aime beaucoup. Leur interaction, j'aime beaucoup. C'est bien mené. Par contre, il y a quelques longueurs qui m'auraient. Alors, qui passent en audio, mais qui m'auraient certainement et qui ont déjà eu cet effet-là sur moi de faire abandonner la lecture. Je l'avais commencé, je vous le disais, il me semble précédemment, comme il y a quelques années, et je l'avais annulé parce que j'arrivais pas à me concentrer dessus à cause des longueurs. Et bien là, ça aurait été pareil. Pourtant, j'aime bien l'histoire, et je vous dis, j'aime bien l'interaction des personnages les uns dans les autres, qui s'imbriquent. Donc, c'est parfait. Demain ou après-demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Sinon, je commencerai ce service presse Diana, la princesse des larmes, donc, et qui est aux éditions City et qui est d'Amandine Deslandes. Ou Deslandes. Je ne sais pas si on dit Deslandes ou Deslandes. Moi, j'aurais dit Deslandes. Voilà, donc là, je ne vous en parle pas plus. Vous doutez bien que c'est sur la biographie, ou tout au moins sur la vie de Lady Diana. Donc ça va être ma prochaine lecture. Je clôture donc ce vlog ici et puis ben comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'encourage à être toujours présente même quand j'ai des semaines chargées. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait hyper plaisir d'ailleurs. Merci, merci du fond du cœur à ceux qui se sont abonnés dernièrement. Et puis ben, je vous dis à la prochaine fois dans ce vlog. Je commencerai le prochain dès que j'aurai fini ou Peter Swanson, 8 crimes parfaits ou Les Piliers de la Terre. Les Piliers de la Terre, il me reste 5 heures à écouter. J'en suis donc à la deuxième partie, je crois au chapitre 2 ou 3. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!